voyez, ou vous changez de ton, ou je vous coupe le micro, d'accord? On est bien d'accord? Vous arrêtez vos petites attaques perfides individuelles. C'est indécent, voilà. Pour moi, notre mère, c'est vraiment une caricature de ce vieux monde qui ne supporte pas qu'il y ait des jeunes femmes écologistes qui viennent, qui aient envie de participer à la vie locale. Il y a vraiment une tension où lui, pour lui, ce n'est pas possible, en fait. De parole, c'était pour dire en gros, ben, c'est bien de faire un rapport égalité femmes-hommes, mais bon, c'est dans la loi, donc ils le font forcément. Mais surtout, je le trouvais un peu léger, ce rapport égalité femmes-hommes, parce que sur 22 pages, il y avait quasiment la moitié qui était consacrée à un peu une étude socio-démocratique, démographique de la ville. Ça ressemblait un peu à des trucs du genre « Ah oui, c'est vrai, il faut faire l'égalité femmes-hommes, listons tous les endroits où on a vu des femmes à Boulogne-Billancourt ces derniers temps. » Et là, je me suis dit quand même, c'est le moment de leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la manière dont eux se comportent avec moi depuis que je suis arrivée. Mon message à la fin, c'était de dire à la fois, bon, ce rapport égalité femmes-hommes, franchement, il est un peu léger, et puis en même temps, de dire eh ben, en fait, si on veut lutter contre le sexisme, il faut commencer par nous, les élus, être exemplaires. Et puis surtout vous, en fait, messieurs les élus, c'est à vous aussi de montrer l'exemple. Je suis désolé, on est dans une assemblée respectable. On n'est pas là pour faire des attaques personnelles. Que vous attaquiez le maire, ça ne me gêne pas. Moi, je veux bien encaisser. Mais quand à un moment, ça choque les oreilles. Mais là, si vous commencez à passer en revue tous les élus de la majorité, c'est pas l'objet. Alors, madame, ou vous changez de ton, ou je vous coupe le micro, d'accord? On est bien d'accord? Vous arrêtez vos petites attaques perfides individuelles. C'est indécent, voilà. C'est tout. Alors, vous arrêtez ou vous continuez? Si vous continuez sur ce ton-là, je coupe le micro et je passe la parole à monsieur Macias. C'est d'accord? Pour moi, notre mère, c'est vraiment une caricature de ce vieux monde qui ne supporte pas qu'il y ait des jeunes femmes écologistes qui viennent, qui aient envie de participer à la vie locale, qui aient envie de prendre à bras-le-corps les enjeux écologistes, démocratiques et tout ça. Enfin, il y a vraiment une tension où, lui, pour lui, ce n'est pas possible, en fait. L'existence d'une opposition jeune, dynamique et qui a envie de faire son travail, c'est difficile pour lui, je crois, à accepter. Moi, par rapport à mon âge, il rappelle régulièrement que pour ceux qui n'étaient pas encore là ou pour ceux qui n'étaient pas nés, et il explique ce qu'il a fait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quoi. Rien qu'à voir comment ils ont distribué les postes d'adjoints à la mairie de Boulogne, il y a vraiment les hommes, finances, urbanisme, les sujets importants, les femmes, les affaires sociales, la petite enfance, les écoles. Et puis c'est clairement, clairement distinct. Ils sont un peu dépassés par cette nouvelle génération, un peu la génération climat, cette nouvelle génération, surtout en fait, de femmes écologistes qui veulent changer les choses au niveau local et qui veulent dire, en fait, il y a urgence. Et là, les gars, c'est plus un jeu. Enfin, là, il faut y aller maintenant, c'est important. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, quand ils préparent un rapport développement durable. Tout le monde applaudit, super. Ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un le lise et leur dise « Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ne vous rendez pas compte qu'on parle de peut-être 3,9 degrés selon les dernières infos de Météo France en 2100 ? Ce n'est pas possible que vous nous présentiez ça. » Ils ne conçoivent pas, en fait, qu'il y ait des jeunes femmes comme moi qui soient là pour les tenir responsables et pour essayer de les secouer un peu et qui aient vraiment envie que ça avance, quoi.